excuse pour la tenue. Je vais faire encore confiance à ma femme. Elle m'a dit ce matin en me regardant, au réveil, elle m'a dit, mon chéri, t'inquiète pas, je gère. Je te trouverai un costume qui t'ira comme un gant, toi qui travailles tout le matin au radar. J'ai pas perdu tes mots, bon. Merci mon amour. Bon, en fait, vous avez vu que ma femme et moi, en ce moment, on est complètement décalés. Ouais. Bon, attendez, je vais retirer ça parce que ça s'est passé. C'est vraiment compliqué. L'été dernier, avec ma femme, on a voulu voir des amis qui habitaient en Bretagne. Hein. On a pris l'autoroute, tranquille, on s'est arrêté sur un air de repos. Je commence à faire le plein. Et puis ma femme qui se réveille, parce que souvent, c'est mon copilote. Mon copilote qui dort encore. Ou dans la voiture. Alors, je commence à faire le plein. Et puis, elle se réveille, elle me fait directement « Mon chéri !» Je fais « Oui ?» Vérifie les pneus ! Oui, d'accord, pas de problème, je maîtrise. Je te maîtrise. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est bon, l'amour, ils sont tous là, ils ont suivi la voiture. Tout va bien. Non, on est complètement décalé. Vous tenez pas plus tard que là, ce soir, ma femme qui était dans la salle de bain, comme d'habitude, très rapide, 1h30, top chrono. Et alors, elle sort de la salle de bain et elle me dit mon chéri, comment tu veux que je m'habille? Écoute, quand je veux que tu t'habilles, je veux que tu t'habilles vite. Déjà. Ça ne va pas changer. Alors, encore ça remonte à encore plus loin que ça. Quand ma femme a voulu, enfin, on a voulu faire notre quatrième enfant, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, mon chéri, il va falloir qu'on déménage. Je lui ai dit, écoute, ma chérie, ça ne sert à rien, ils vont me suivre. Pas la peine de déménager comme ça. Je mets une petite parenthèse de petites secondes, j'échappe quand même au moment de politesse. Je vous souhaite quand même une bonne année à tous et à toutes. Comme ça c'est fait, parce qu'il faut le souhaiter. Hein. Mais un peu de retard, je sais. Voilà. Et de vous à moi, vous avez pris quand même de quoi comme nouvelle initiative pour cette année 2015? Aucune. C'est déjà un bon début, c'est bien. Comme les dernières, enfin l'année d'avant et tout, c'est bien. Non, moi personnellement, je vous dis franchement, j'ai arrêté tout ce qui faisait grossir. La balance, le miroir, j'ai tout arrêté. C'est bien, c'est un bon début déjà. Ça commence bien. Vous pouvez vous avancer pour votre examen, s'il vous plaît. Tu me referas du magic chinois.